Salut friends, c'est moi Mounir, merhaba. C'est bizarre aussi pour moi de me voir avec des sourcils, mais j'ai décidé de les dessiner aujourd'hui parce que je suis en train de laisser pousser l'intérieur comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Et comme je peux pas les maquiller ou les camoufler parce qu'ils sont très courts pour être collés, ben je les dessine. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'étais en train de faire du shopping sur Beauty Bay et j'ai vu la palette de Mitchell. Je sais pas il y a combien d'aimes, mais il y a beaucoup. Et dans les photos qui étaient avec la palette, il y avait une look de maquillage que j'ai aimé beaucoup, que je voulais reproduire pour vous aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas la palette encore, mais je veux me servir de la palette 35O2 de Morphe. J'ai mis à côté de moi également le Thirsty de Jeffree Star, parce que ça peut me servir, les couleurs pailletées au milieu. Ainsi que j'ai sorti la Révolution Foil Frenzy, qui peuvent être également utiles. Je ne sais pas encore, on verra. Et on va commencer directement avec la base de fard à paupières Urban Decay Primer Potion. Je sais, mes sourcils sont pas très jolis. Je les ai mal dessinés. Mais ça fait super longtemps que j'ai pas dessiné des sourcils. Donc, honnêtement, ça m'est égal. Qu'est-ce que vous pensez? Non. Donc soyez gentils. La prochaine fois, je les redessine. Je ferai peut-être mieux. Rien est sûr. Et également, j'ai essayé de faire quelque chose avec mes cheveux pour montrer le rose. C'est mal fait. C'est pas grave. C'est comme ça. Très vendeur. Tout ce que je dis aujourd'hui. J'ai pris le Jawbreaker parce qu'il me faut, waouh, le jaune. Je le prends sur une pinceau fluffy, grande, et je veux l'appliquer dans la creux de paupière en entier. Ça va être notre couleur de base, si vous voulez. Je suis plus habitué aux sourcils pour faire mes fards à paupières, c'est bizarre. Ah oui, celui-là, il est beaucoup plus haut. Maintenant que j'ai mis les fards, je me suis rendu compte. La prochaine fois, je ferai mes sourcils après le maquillage des yeux. Le jaune est appliqué grossièrement, parce que c'est pas grave, ce n'est pas la couleur le plus important. Maintenant, on va prendre un marron foncé. Et je veux prendre Spice, et ce sera dans la creux de paupière. Bien sûr, ça va pas être le même look exactement parce que j'ai pas les fards. Je vais essayer de me reprocher au maximum possible du look original. Donc je l'applique dans la creux de paupière et je le tire un petit peu vers l'extérieur. Et bien sûr, s'il me manque du jaune, j'ajouterai après. C'est pas grave. Pour l'instant, je dépose ma couleur d'abord. Parce que je veux l'estomper avec Wow. Toujours avec Morphe, je prends la couleur Break. Et encore dans la creux de paupière. Et tirer vers l'extérieur. Retourne au Jawbreaker et je prends Wow sur un pinceau fluffy pour estomper. Et on va estomper les bordures avec ça, comme ça il n'y a pas de démarcation dégueulasse autour. Après avoir estampé Break, je vais passer à la couleur qui s'appelle Muddy, mais ça sera sur une petite pinceau, parce qu'il fait une application bien placée. Et comme il y a un cut crease, j'essaie de monter plus haut que ma crease, parce que sinon, si j'ouvre les yeux, on le voit plus. Et ça, c'est pas qu'est-ce qu'on veut, mais en même temps, je veux pas monter trop haut non plus, pour éviter que quand je fais le cut crease, que ça se transfère partout. Je reprends un peu de brique sur une petite pinceau toujours et je vais essayer d'effleurer les bordures pour estomper entre les deux. Et je reprends Wow pour bien le positionner, que ce soit bien prononcé. Et je vais essayer maintenant de prendre une pinceau propre et passer autour légèrement. Je ne veux pas mélanger tous les couleurs ensemble, mais je veux que ça soit un petit peu mieux blendé. Et bien sûr, quand je fais ces mouvements-là, je ne monte pas, je reste dans la creux de paupière. Et on va terminer avec le noir qui est Wiz. Si je me rappelle bien, il était un joli noir. Ouais, c'est un joli noir. Je sors un petit peu avec, pour que ce soit une continuité de ce qu'on a déjà fait. Juste vers l'extérieur, je vais ajouter un petit peu là.
et ça va me servir à estamper. Donc tout ce travail que je suis en train de faire, je le fais avec des petits pinceaux. Je prends qu'une fluffy pour estomper, mais maintenant je peux plus prendre des pinceaux fluffy parce que sinon je perdrai tous les détails que j'ai fait. Et maintenant c'est le moment de faire un cut crease. Je prends mon Maybelline Fit Me anti-cerne avec une pinceau d'anti-cerne. J'ai mis une tache d'anti-cerne à côté de mon highlight et ça sera attiré vers l'extérieur. Maintenant que j'ai fait le cut crease, je vais passer au liner. Je vais prendre le Maybelline Hyper Easy Liner Black. Je peux pas vous parler pendant que je fais ça. Ouh, that was stressful. God. Ça c'est bon pour l'instant. J'arrête. Là, et maintenant, le plus difficile. Donc, le Jeffree Star, je veux prendre Filthy Rich et je veux l'appliquer dans le vide, mais pas à l'intérieur du liner, tout autour. On a fait le 4 crease. Il est très joli, mais bien flaky. Donc, il faut positionner bien le pinceau et déposer la couleur gentiment. Sinon, le fallout, il est extrême. Malheureusement, comme j'ai des paupières tombantes, ça va certainement se transférer un petit peu, mais je peux rien faire par rapport à ça. Donc, je suis obligé d'accepter mon destin. J'ai fait maintenant ça et je veux rentrer dans le coin interne, toujours avec la même couleur. Ça, c'est fait, donc je reprends. Wow! Et je veux tapoter la couleur vers le coin interne pour lier le tout ensemble. J'ai repassé avec du noir où il y a eu du transfert parce que je peux rien faire d'autre que ça. Mais ça va retransférer à nouveau. Mais c'est comme ça, j'arrête d'essayer. Donc vous voyez, dans tous les endroits où j'ai fait un cut crease, j'ai sorti juste à côté du fard avec Filthy Rich, ce qui est la couleur pailletée. Et j'ai rentré également jusqu'au coin interne. Et maintenant, j'enlève les chutes. Mais comme c'est des paillettes, je peux pas. J'ai repris le noir sur un pinceau de sourcil pour remplir la partie extérieure de notre liner. Et j'ai fait des bêtises. Et la partie intérieure. Et je laisserai le milieu vide. Et entre les deux, je veux mettre Wow. Et je veux déposer Wow juste au centre. Je reprends mon anti-cerne et je veux nettoyer. Bon, je remets un peu d'anti-cerne, je vais prendre un peu de poudre translucide Jeffree Star et je veux faire un peu bake, espérant que ça va aider à enlever les traces. J'ai nettoyé mon liner et j'ai dessiné un deuxième. Et maintenant, je vais remplir entre les deux, toujours avec Jeffree Star Filthy Rich, mais une pinceau plus petite pour que je puisse rentrer entre les deux. Maintenant, on va passer au ratil inférieur et je prends le NYX noir et je vais passer juste au ratil. Je reprends le noir de la palette Morphe et je veux passer sur le liner que je viens de déposer. Je reprends le noir, une pinceau de sourcil et je vais passer juste en dessus du deuxième liner. Ça va m'aider à faire une sorte de smoky. Je prends Spice, toujours avec le même pinceau. Une pinceau boule, Spice pour estomper. Et je termine le tout avec Wow.
les chutes paillettes et les chutes noires, mon visage est un petit peu taché. J'ai un peu de blush pour cacher les misères. Bon, je vais aller faire l'autre côté et je reviens. Bon, j'ai fait l'autre côté meilleur de mes capacités. C'est pas évident d'avoir la même chose sur les deux côtés. Le premier liner, il est pratiquement identique. Le deuxième, un peu moins. Mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je suis plutôt content avec le résultat, c'est pas mal. C'est pas mon meilleur travail, mais c'est pas le pire non plus. J'ai cherché les faux cils que j'ai appliqués pour la vidéo James Charles. Je vous mettrai le vidéo dans le barre d'infos si vous voulez regarder. C'est des faux cils de chez Primark coupés juste au milieu. Et je veux les coller juste dans le coin externe. Pour terminer le maquillage, je prends le rouge à lèvres et le liner de chez NYX qui s'appelle Lima, qui est un marron très foncé. J'ai envie d'aller vers les foncés avec ce look. Crème à lèvres Lima et c'est parti. C'est un crème à lèvres mat avec une texture très légère. Et voilà désormais mes chers amis, cette look est terminée. J'espère que cette look vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous également si vous voulez sur ma chaîne. Et il me reste à vous dire, prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!